Ah, vous êtes déjà là. Bon, Manu Larcenet, il est assez connu pour ses bandes dessinées. Là, c'est pas tout à fait une bande dessinée, c'est en fait c'est des dessins avec un texte d'un journal. Et ouais. Bon. T'as une minute? J'ai vraiment une minute. Une minute, pile. Bien, s'il te plaît. Tu connais ça? Fake news? Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, fake news? Fake news? Fake news. Mais qu'est-ce que c'est? Fake news, c'est, tu sais, tu es sur ton Facebook et il y a quelqu'un qui écrit « fais gaffe de ça, fais gaffe de ça », tu sais. Ça, c'est du fake news. Avant, on appelait ça « nonsense », mais maintenant que tout le monde a peur, c'est du fake news. Et c'est Manuel Larcenet qui a fait un livre là-dessus, qui est censuré en fait. Ouais, tiens, censuré au santé publique. Écoutez-moi bien. Le ministre de la Culture vient d'interdire le livre Fake News, chef-d'œuvre de la star internationale de la bande dessinée mondiale, Manu Larcenet. Bien sûr. Ben oui. Dans le climat actuel de désinformation et de complotisme, les Français ont besoin de livres moins con. Ouais. A sobrement déclaré le ministre lors de la visite au salon de la crevette et du flétan. Ah, c'est un excellent salon. Et voilà. Les 800 000 copies de l'ouvrage, donc le contenu est resté secret, ont été détruites à l'intérieur de Jouisson sur Yonne. Sur Yvonne. Sous les cris d'allégresse des attachés ministériels. L'auteur, joint en matinée, déclare soutenir pleinement cette décision. Eh oui. Bon, la minute, elle est... Ah oui, elle est passée. Allez, j'y retourne. Bah. Tu me le réserves, hein? Ouais.